dans la période difficile que l'on a vécue, c'est déjà appréciable, savoir aller à l'essentiel, c'est-à-dire au résultat. Donc, et surtout dans un match difficile, encore une fois, on l'a vu, ben, l'équipe s'est accrochée et a su, encore une fois, à la fin du match, faire basculer ce match. On sent effectivement, il nous a manqué un peu d'engagement en première mi-temps. On a été timide, il nous a manqué un peu d'engagement dans le combat. Le jeu n'est qu'une conséquence de cet engagement. On a regardé un petit peu trop les Bordelais en première mi-temps. On s'y est remis un peu plus en seconde mi-temps. Bon, et puis les conditions de match font que. On ne gagne pas en sérénité en perdant très tôt son meneur de jeu. Et dans la configuration de remplaçant derrière, on s'est retrouvé en difficulté un petit peu dès le début de match. Voilà, il y a aussi les impondérables du match qui font ou qui ont renforcé un petit peu ce doute. C'est pour ça qu'il était important de savoir revenir dans le match, ce qu'on a fait en début de seconde mi-temps. On s'attendait de toute façon à trouver une belle équipe de Bordeaux. On sait qu'elle était très joueuse, qu'elle tenait bien le ballon. Elle nous a posé des problèmes en première mi-temps. Après, on a su être patient, se reconcentrer, essayer de prendre le score petit à petit, ce qu'on s'était dit à la mi-temps et ce qu'on a réussi à faire. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt positif. Bah, genre, je fais un poteau qui n'est pas très très difficile et je rate la première. Donc sur la fin, c'est positif, mais ça n'a pas été positif tout le match. Non. Sur la fin, c'est positif. Ouais, oui, c'est sûr, logique, oui, ça fait du bien. Surtout que voilà, on sait que ça va être tendu jusqu'au bout. Voilà, la course va être jusqu'à la dernière journée, je pense. Autant pour les phases qualificatives que pour la descente. Donc ça va être. Voilà, il faut la savourer, mais il faut déjà vite se replonger sur ce qui n'a pas marché. Pour pouvoir le bosser pour le match qui va nous attendre à Toulon, qui va être, je pense, un gros test. Et voilà, après on va finir, plus ça va aller, plus on va finir sur les gros matchs. Donc il va falloir monter en puissance.